Nous sommes à Mont-de-l'Ange, en Moselle. C'est sur ce site qu'est implantée depuis près de 30 ans l'entreprise CCL. Bonjour Frédéric. L'entreprise fournit à l'industrie sidérurgique un élément essentiel à la production de l'acier, le charbon. CCL a fait du criblage et du concassage sa spécialité. Aujourd'hui, c'est une société qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie 20 salariés. CCL a également une activité secondaire qui est le traitement de calcaire et une troisième activité qui est le transport lourd qu'on exerce dans une usine sidérurgique. La quasi-totalité du charbon traité par CCL arrive par péniche, ici au port de Mont-de-l'Ange. Il faut environ 3 heures pour décharger les 2400 tonnes arrivées ce matin. La partie déchargée par la grue sera stockée sur la droite et ensuite elle sera reprise par nos chargeuses pour être acheminée dans notre installation. La spécialité de CCL, nous arriverons à cribler, concasser, à produire à forte taux d'humidité. On va mettre en route l'installation. La sidérurgie qui nous a réclamé 900 tonnes pour leur criblage spécial. Trois personnes polyvalentes travaillent chaque jour sur l'installation. Deux conducteurs d'engins et un chef d'équipe. Ici, c'est le point de départ, c'est le poste de commande. Et de ce poste, on alimente toute l'installation. Une seule personne suffit pour mettre en route et gérer toute exploitation. Le principe du criblage, on tamise et le produit qui passe, eh ben, il est criblé. La matière qui reste dans le tamis n'est pas perdue. Elle est broyée une nouvelle fois avant de repasser dans le crible. Là, on arrive à la partie finale de notre installation. Le produit est calibré au calibre bien voulu et demandé par notre client. Ensuite, il va être stocké dans notre aire de stockage et à la demande du client, il sera chargé sur train ou sur camion et il sera expédié pour effectuer sa dernière tâche, c'est-à-dire nous produire de l'acier. Chaque année, 1 million de tonnes de charbon manutentionné ressort de l'usine de Mont-de-l'Ange.